À la suite de la décision du Comité interministériel de la sécurité routière visant à interdire les avertisseurs de radar, Inforad a cofondé l'AFTAC, Association française des fournisseurs et utilisateurs de technologies d'aide à la conduite. Son but, promouvoir et défendre l'intérêt des outils d'aide à la conduite face à l'augmentation du nombre de victimes sur la route. En tant que fabricant d'outils d'aide à la conduite, Inforad a participé aux tables rondes avec le gouvernement et a défendu son engagement sécuritaire. Bien averti, on conduit mieux et on se conduit mieux. En effet, Inforad a toujours innové dans le sens de la sécurité routière. Cet engagement est d'ailleurs tellement assumé qu'il est affiché dans l'ADN de notre marque. En tant que fabricant d'outils d'aide à la conduite, Inforad a su adapter rapidement son appareil communautaire pour qu'il reste totalement légal et vous offre même des fonctionnalités allant au-delà des souhaits du gouvernement. Voici le grand écran 3 pouces de votre CI, composé de 3 zones, zone d'état, de vitesse et zone d'info. Voici les fonctionnalités de la télécommande de votre CI. Pour signaler un danger sur la voie opposée, pour signaler un danger sur votre voie de circulation, limiteur de vitesse, appel d'urgence 112, pompiers ou police, enregistrement de vos points d'intérêt personnels. À partir du 28 novembre, notre avertisseur de radar communicant devient avertisseur de danger communautaire. Vous serez désormais informé et vous pourrez prévenir les autres usagers des zones dangereuses se trouvant sur votre route et qui sont également susceptibles de contenir des contrôles de vitesse. Dévoilons maintenant ce qui va changer. Désormais, les zones de danger signalées par la communauté s'affichent en clignotant en rouge, en jaune ou en blanc selon la fraîcheur de l'information. Les zones de danger avérées et fraîchement signalées par la communauté sont désormais affichées en rouge. Ces zones peuvent contenir des radars ou pas. Rouge, vous entrez dans une zone de danger avérée, respectez strictement la vitesse affichée. Les zones de danger fortement probables sont indiquées en jaune. Ce sont des zones où un danger a existé, a été signalé par la communauté et pourrait donc encore être présent. Jaune, zone de danger fortement possible. Restez très vigilant. Quand l'écran est blanc, vous êtes dans une zone dans laquelle un danger potentiel pourrait exister. Restez toujours attentif. Rouge, jaune, blanc. Trois couleurs pour une lisibilité instinctive. Au démarrage de votre CI, et une fois que vous roulez, des messages de sécurité s'affichent. Mais aussi des signalements sur les dangers de la route. Vous avez grandement participé à toutes ces évolutions. Professionnels de la route, automobilistes ou motards, vous pouvez compter sur Inforad pour continuer à bien vous accompagner et toujours sans abonnement. Votre sécurité, votre permis de conduire, votre liberté. Inforad, partageons la route en toute sécurité.